Je m'appelle Benjamin Miller. Abril Padisha. Mark Anger. Louise Bulo. Alexandre Del Torquio. Gaëtan Parseillan. Chloé Sanchez. Lautaro Vieira. Je suis une compositrice franco-argentine. Je fais des musiques électroacoustiques. Je joue depuis 15 ans les fouets de cuisine quand même. J'ai composé aussi des pièces instrumentales pour des objets amplifiés et des instruments. Je fais des pièces pour la radio, dans des festivals internationaux. J'ai créé aussi des spectacles de théâtre musical. Ce soir, je présente une œuvre qui a été créée en parallèle avec une chorégraphie, une chorégraphe espagnole, Sol Bilbao Loquix, pour une commande de théâtre bal en Suisse en 2013. Grimsha veut dire ombre en coréen. Et le thème de l'ombre est venu dans l'idée d'un double. Donc il y a deux danseuses, mais c'est comme s'il y avait tout le temps un personnage dans la pièce. J'utilisais comme matériau les bruits des danseuses, leurs mouvements et aussi leur voix d'origine, donc le catalan et le coréen. Et ce qui était intéressant, c'est de les enregistrer en mouvement. Donc c'était extrêmement difficile au point de vue technique, mais ça m'a donné aussi dans la prise du son plein des indications du mouvement. Le parti pris de ce projet, c'était de créer la chorégraphie et la musique en parallèle. Donc on avait des séances, beaucoup, des tests, et donc je pouvais voir la réaction des danseuses sur ma musique. Cela m'a donné aussi, au-delà d'une esthétique contemporaine, à leur donner des repères rythmiques clairs. Et ça, c'était quand même essentiel dans la composition. Je ne voulais pas une chose rythmique régulière en permanence, mais elle, il fallait qu'elle se repère. Donc ça m'a apporté beaucoup dans la composition, à entendre les rythmes et à préparer les élans, parce que sinon c'était impossible d'être calé. Miro cap enrere i no veig. No. Podrían ponerme si me dieron más. J'ai commencé la musique électroacoustique tout seul, un petit peu, en la découvrant au festival Les Nuits Bleues d'électrophonie. J'ai ensuite suivi le cours de Christine Groult à Pantin pendant 2 ans et je suis actuellement à la Cité de la Musique à Marseille sous la houlette de Maxime Barthélémy. En parallèle, j'ai monté une association qui s'appelle Brand Project et qui a un acousmodium d'environ 50 haut-parleurs où on peut travailler en multiphonie et en stéréo. Alors c'est une œuvre sur laquelle j'ai cherché à travailler autour des sons électriques, comme le titre le dit. Et donc j'ai enregistré avec des micros de guitare, avec des micros à bobine, tous ces sons qu'on n'entend habituellement pas. Donc des sons des néons, mais aussi des chargeurs de téléphone, de lecteurs CD, différents types de sons comme ça que je suis allé chercher avec des micros. Donc la pièce se compose en 3-4 parties. Une partie un petit peu d'introduction avec beaucoup de craquements où les craquements s'installent dans la pièce et puis ça
Il y en a de plus en plus jusqu'à ce qu'on arrive à une espèce de rupture et qu'on passe dans une autre sphère un petit peu plus électromagnétique et plus longue qui va monter petit à petit. Et la pièce se finit par une descente rythmique un petit peu. Donc j'ai utilisé là-dessus un rythme qui ralentit indéfiniment. Donc c'est un peu inspiré des sons qui montent indéfiniment ou qui descendent indéfiniment de Jean-Claude Rissé. Et donc c'est un rythme qui ralentit. Il y a d'autres rythmes qui arrivent un peu plus accélérés, qui ralentissent aussi. Et on a l'impression que ça ralentit, alors que ça ne ralentit pas. Sound designer. I'm from the United States of America. I've been working in electroacoustic music since the 1980s. I've composed a lot of works for dance, for film, a lot of traditional instruments with a computer and for computer alone. The name of the piece I think will be very self-evident once you hear the piece. It has a lot of shattering of glass and things like that. Actually, what I did is I set up a place in my house that had a very nice floor for throwing glass, and I set up a baffle around it and I threw a lot of glass around. And that gave me the idea for the rest of the sound world for the piece. So space is very important in this piece. Because what I'm doing is I'm setting up really a lot of different sound environments, and it just jumps from one sound environment to another. If you're thinking of this as a film, it's really doing a series of jump cuts. It does some fades, but a lot of jump cuts. So you're in one environment, then you're suddenly in another environment, and it just jumps from one environment to another. And it does so in a very capricious way, and so I'm trying to use the space in that way.
Je suis plasticien, mais aussi compositeur. J'ai un parcours à la base autodidacte. Je suis passé par le Fresnois après. Et aussi des études de composition acousmatique avec Régis Renoir, La Rivière. Voilà, avant de faire de l'électroacoustique, je me suis intéressé au son. J'ai été aussi bassiste plutôt rock. Prolifération, propagation, pourquoi? Parce que c'est des choses souterraines qui vont se développer sans qu'on y prête attention au niveau des réseaux électriques, électroniques, des bugs et ce genre d'incidents électromagnétiques. Certains sont audibles, d'autres pas du tout. Ceux qui sont audibles, c'était assez simple, hein, des prises de son, on va dire classiques. Et après, pour les sons non audibles, c'est un travail avec des petits micros spécifiques qui me permettaient de capter ces fréquences. Après, la composition, je dois dire, n'a pas été aisée, puisque j'ai été totalement happé et séduit par ces sons à l'état brut. Donc après les composer m'a demandé un certain temps en fait, et surtout de pouvoir prendre un détachement en fait, parce qu'on finit par s'y attacher et avoir trop d'affect par rapport à ces sons, et là était la difficulté.